Où trouver du foin et à quel prix? Chaque année, cette question revient comme un refrain chez tout propriétaire de bétail ou d'équidés. La production insulaire est insuffisante et les importations représentent un surcoût important. En termes financiers, c'est un marché de plusieurs millions d'euros qui échappe à l'économie corse. Créé il y a 5 ans, le groupement régional des producteurs de fourrage a pour ambition de parvenir à une production autosuffisante. Le groupement de fourrage aujourd'hui a 5 ans de fonction, hein. Ça a été créé il y a 5 ans. Le DARC nous a suivis dans toutes ces démarches, nous a mis, aujourd'hui on a 2 techniciens sur tout le programme du fourrage. Les enjeux que l'on a c'est d'arriver à faire plus de fourrage en Corse pour que tous ces problèmes liés aux importations et aux problèmes qu'on a eu ces quelques dernières années et d'arriver à faire un fourrage de qualité ici sur la Corse. Les éleveurs aujourd'hui, leur problématique, c'est d'arriver à mettre en place des prairies qui aujourd'hui on s'aperçoit que l'herbe aujourd'hui c'est le fondamental de l'élevage. Quoi. Sans herbe on ne fait pas de viande, sans herbe on ne fait pas de lait. Le projet de Miniature est un projet de développement de la filière fourrage qui va venir accompagner cette démarche déjà initiée par le groupement régional des producteurs de fourrage de Corse depuis quelques années et qui vise à apporter de nouvelles solutions techniques, voire scientifiques, à une conduite qui respecte à la fois l'environnement, mais qui prenne aussi également en compte les changements climatiques. Et donc il va falloir travailler sur de nouvelles variétés plus résilientes, moins consommatrices en eau, et plus adaptées donc à notre climat. Alors aujourd'hui nous sommes dans le site de remise en état du site. Il y avait beaucoup de travaux de mise en valeur, de retravail de l'ensemble des surfaces et nous espérons avoir fini la réhabilitation avant la fête du printemps. Alors sur la remise en état des terres, on est aux alentours de 250 000 euros. Aujourd'hui, nous finançons le groupement, notamment un animateur et un technicien. Et c'est derrière aussi de pouvoir doter la filière des outils nécessaires à la mise en place de ces plantations, à savoir un système d'irrigation, un hangar pour stocker le fourrage, et également la réhabilitation de nos locaux, puisque, un peu à la star de ce que nous avons fait au pôle de compétences en élevage à Altiagne, l'idée c'est de pouvoir regrouper sur ce site l'ensemble des compétences en lien avec la filière fourrage et céréales. On a commencé avec une dizaine de producteurs, on a mis en place des essais chez eux, sauf que maintenant il s'avère qu'on est arrivé à un tournant aussi où on a besoin d'un lieu dédié à la filière fourrage. Maintenant l'idée c'est d'avoir ce lieu où les gens qui ont un besoin d'informations ou de connaissances en fourrage, et voilà, ils sauront où trouver l'information, c'est-à-dire à la station au pôle fourrage de Miniature. Le projet s'est construit sur 2 volets. Le premier, c'est le volet expérimentation avec recherche de nouvelles variétés adaptées au contexte géoclimatique corse. Pour ça, on travaille en partenariat avec de nombreux semenciers. Le deuxième volet, c'est sur la partie expérimentation, c'est la gestion et l'utilisation de l'eau. Donc là, on est en partenariat avec l'office hydraulique. On est à 12 000 tonnes de fourrage importé chaque année et avec des pics à plus de 20 000 tonnes comme en 2017. Ça représente à peu près une production de 1 200 hectares supplémentaires de fourrage de prairies irriguées et fertilisées. Chose qui n'est pas du tout insurmontable. Et d'autant que, comme on l'a démontré depuis ces 5 ans, on est en capacité en Corse de faire du fourrage de qualité. Et les analyses le prouvent, on peut même faire du foin meilleur que celui de l'accro. En se basant sur une production moyenne de 12 000 tonnes réparties sur 1 200 hectares et selon les prix moyens constatés, cela représente un marché compris entre 4 et 5 millions d'euros qui inclut la marchandise à 300 euros la tonne, son transport pour 50 euros la tonne, les engrais soit 350 euros par hectare et les semences à 200 euros l'hectare qui, elles, doivent être renouvelées tous les 5 ans. Moi je suis producteur et éleveur en même temps, donc ce qui me permet de nourrir mes animaux. Je suis en autonomie fourragère. Ce qui est une très bonne chose, parce qu'avant, on nourrissait les animaux essentiellement avec du fourrage sec et de l'aliment. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai complètement enlevé l'aliment de l'alimentation de mes animaux. Voilà, je suis passé à l'urbanisme, qui est très, très riche. C'est un peu tous les producteurs, on s'y est mis, quoi, on ne connaissait pas, on a vu un peu sur le continent comme ça se faisait. L'urbanisme, c'est seulement pour le bétail, que pour les bovins, et les ovins, mais surtout en période hors lactation.
Et après, on sait que la 95% de la clientèle, c'est les équins. On a des commandes, ça commence déjà maintenant, alors que la saison n'a pas encore commencé. Donc, en plus, vu les aléas climatiques, on ne sait pas encore si ça va être une bonne saison, mauvaise saison avec les sécheresses ou pas. Donc, les clients, on ne peut pas leur dire « oui, je vais vous fournir tant de tonnes ». Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est au fur et à mesure que la saison avance. Et souvent, on n'a pas le temps de couper, que c'est déjà vendu. L'année dernière, au mois de janvier, on n'avait plus de foin. Donc moi, j'ai fait venir des camions du continent. Ça m'a coûté très très cher. Et je ne pouvais pas augmenter les pensions des gens parce que ça ne se fait pas. Je paye le ballot, je le paye 6 euros. Après, l'année dernière, je l'ai fait venir du continent. Ça m'est revenu à 12 euros le ballot. Donc c'était le double. J'ai fait ça du mois de janvier jusqu'au mois de juin, pendant 4 mois. La filière de l'or vert est donc un enjeu important pour les secteurs agroalimentaires et équins, mais aussi pour l'économie corse en rapatriant un marché estimé à plusieurs millions d'euros.